Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Une ferme en Loire-Atlantique avec, vous le voyez, vous allez voir tout de suite en accéléré juste après l'intro, j'ai endainé tout ce qu'on a fauché ensemble en vidéo, donc tout est endainé, j'ai redonné l'endaineur parce qu'on l'avait loué, rappelez-vous. Du coup, aujourd'hui, la mission de cette vidéo pressée, du moins je pense que je vais attaquer de mon côté et je vous retrouverai après, du moins essayer de dégager la zone, parce que la zone que vous voyez juste à côté de moi, ce sera la zone où il y aura l'enclos des moutons, le futur enclos des moutons. Du coup, il faut qu'on dégage déjà cette zone-là, faire les bottes ici, question de dégager l'herbe simplement et voilà, ramasser les bottes d'herbe. Comme ça, on va pouvoir commencer à placer le bâtiment, petite bergerie à 6500 €, vous m'avez conseillé, je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont conseillé au niveau des bâtiments, tout ça, qui m'ont envoyé des liens, donc merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet enclos, du moins ce que vous allez en penser, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc du coup, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus pour l'arrivée des moutons, les premiers animaux enfin. On verra également au niveau du pré comment on va faire, je sais pas trop encore, mais ça va se dérouler pendant la vidéo, on verra si on fait un gros emprunt ou pas, suivant ce qu'on aura besoin ou non. Donc les gars, ouais, max de like, on se retrouve tout de suite juste après l'intro. Donc du coup les amis, on se retrouve pour la série Une ferme en Loire-Atlantique. J'essaye déjà, oui, j'ai attaqué de presser. Dans ce qu'on va faire, c'est pas presser toute la longueur. On va déjà commencer par dégager la zone ici où il y aura les animaux. Donc let's go faire ça pour commencer. Mais je vais peut-être même pas aller aussi loin où j'ai été là. Je pense qu'en vrai là ça suffit largement. Et on prendra tout ça après. Voilà, comme ça ce sera propre, dégagé pour pouvoir placer l'enclos, parce que c'est le gros de la vidéo, hein, le plus gros de la vidéo. Donc il faudra qu'on achète également une cuve. On verra combien on emprunte, si on fait des emprunts un petit peu par petit peu. Je pense qu'on va la jouer comme ça les gars. C'est vraiment emprunter juste ce qu'il nous faut à chaque fois. En vrai, si on a besoin d'un peu d'argent, on emprunte et voilà quoi. Je pense qu'on va le faire comme ça, parce que sinon ça va être compliqué de faire ça autrement. Voilà. Donc du coup c'est cool, en tout cas j'ai hâte de placer l'enclos. Donc là vous voyez qu'il est 18h56 dans le jeu, rassurez-vous, on ira passer la nuit pour placer l'enclos, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus sympa pour vous à regarder, hein, pour se cacher, parce que là il commence à faire nuit. Mais là je vais juste presser ça en vrai avec vous, juste dégager la zone et on verra en fin de vidéo si on a le temps de finir de presser ou pas, ou sinon je le ferai de mon côté. Voilà, mais je pense que ça nous faire quand même pas mal de bottes d'herbe malgré tout. Et du coup on verra ce qu'on en fait. Ça va falloir qu'on en garde bien sûr pour les moutons, ça paraît logique. Mais on pourra également, je pense, soit en enrubaner une partie, je sais pas trop. Vous m'avez conseillé un petit peu peut-être d'en enrubaner pour pouvoir nous faire un petit peu de revenus avec le. Non, 3, ouais, c'est bon. Avec l'ensilage. Enfin, que ça passe de l'ensilage, quoi, ni plus ni moins. Et à la vente, ça se vend plutôt bien en général. Donc voilà. Et sachant que les prix sont pas non plus sensationnels sur la map, je pense qu'on va pas se priver de se faire une petite rentrée d'argent si on peut. En vrai, ça peut être pas mal de faire ça comme ça. Donc là logiquement ça devrait tout passer, l'enclos devrait passer ici, il n'est pas énorme, en plus il vaut que 6500 €. Vous m'avez envoyé plein d'enclos, donc merci à vous les gars, moi c'est moi qui ai mal, enfin j'arrivais pas à en trouver, mais au final si, ici était, c'est moi qui ai mal regardé, en fait je me suis trompé dans la catégorie, sur le site je me suis rendu compte, c'est que je me suis trompé dans la catégorie, j'ai pris catégorie je crois plaçable, alors que c'est dans la catégorie animaux les enclos, donc voilà sur le site officiel, hein, donc du coup, bravo Jérémy quoi, GG Jérémy bien sûr, GG bien sûr. Non mais c'est moi qui ai mal regardé, donc du coup voilà. Mais bon, le principal c'est qu'on a un petit enclos, je vous montrerai juste après. J'ai réussi à le placer, je me suis entraîné à le placer sur une autre partie. J'ai voilà, question qu'il soit bien placé, je sais à peu près comment faire. Même si je sauvegarderai avant au cas où si ça se passe mal. Parce qu'il y a un petit peu de, on le voit pas, mais il y a un petit peu de dénivelé sur le terrain malgré tout. C'est pas énorme, mais ça suffit pour foutre le truc en chiasse quoi, hein, pour se le cacher. Donc du coup voilà, en plus ce qui est bien c'est que là on aura quelques bottes d'herbe. Je pense que ça occupera des animaux tout de suite. En vrai je sais pas trop. Genre on peut. Non mais attends, c'est ouf. On peut décharger les bottes d'herbe quand on veut. Là j'ai pas fait exprès en fait, j'appuie sur la touche déchargement, je me suis trompé au lieu du pick-up. On peut décharger la botte même si elle est pas pleine. Mais c'est la presse qui fait ça ou quoi? Mais what? Bah écoutez, bon, j'aurais découvert quelque chose, en fait je me suis trompé de touche. Et du coup, voilà quoi. Bah écoutez, c'est pas mal. On dirait qu'on a une boîte de camping. Par contre, avec 2700, mais bon, écoutez, on prend. Donc, pour commencer, je vais voir, faut qu'on achète une cuve à eau. Bon, la cuve à eau, je sais laquelle on va prendre. Mais attendez, voir lui. Au pire, je peux peut-être le laisser ici en vrai. Parce qu'après, il faudra qu'on retourne ici. Ouais, en vrai, là, c'est pas trop mal.
Donc on va juste dégager ces bottes-là, je pense qu'elle va nous embêter un petit peu. On va juste la mettre là, normalement ça devrait passer, il y a juste la botte de paille, j'ai peur qu'elle nous embête aussi. Donc ce qu'on fait les gars, ni plus ni moins, voilà, ce qu'on va faire c'est passer la nuit, comme ça on va se retrouver le lendemain pour, il fera jour en plus, pour pouvoir placer notre enclos. Et il faut qu'on surveille également le prix de l'avoine les gars, parce que j'ai de l'avoine, j'ai beaucoup d'avoine à vendre, mais le prix, regardez, il est vraiment pas ouf, les gars, sur la map, là. C'est fou, je vais pas arriver à vendre cette avoine, je ne vais pas y arriver. Toi, par contre, quoique, non, toi, tu vas pas gêner. Donc, les gars, je fais une petite coupure, on se retrouve le lendemain pour placer l'enclos. Ok, re, les amis, du coup, j'ai mis le temps en x60, même en x15, en x30 déjà, pour que le jour se lève un petit peu plus. Pendant ce temps-là, nous, on va essayer de placer l'enclos, donc je le vois bien ici, ni plus ni moins, ici, il sera très très bien. Regardez, il y a un petit peu d'ennemis, regardez la petite tente qu'il y a là, bah, ça suffit pour foutre un peu le dawa. Donc on va essayer de le placer correctement. Vous savez que le placement. Bon, attendez voir, non, ce que je vais faire, attends. J'ai mis. Petite sauvegarde avant, ça mange pas de pain. voilà, vous me connaissez les gars. Donc du coup. Alors j'ai eu pas mal d'enclos. Il y a celui-ci qui est. J'ai clairement pas assez d'argent. Donc ouais, mais il était trop grand celui-là. Mais après, on verra après pour le prêt, les gars. Mais c'était celui-ci à 6500 euros. Qui est très très bien et vous me l'avez conseillé. Par contre, ah ouais, non, attendez voir. Il y a un truc qu'il faut faire avant, c'est dans Global Company, il y a un truc que je n'ai pas coché, c'est activer le placement d'objets améliorés. Ce qui fait que, bah, comme ça, vous pourrez placer les objets où vous voulez. Et là, vous allez voir, ça devrait fonctionner. Ça devrait être en vert. Oui, c'est en vert. C'est en vert, c'est en vert. Donc, du coup, on va mettre la zone, tout ce qui est alimentation. Ah ouais, mais il prend de la place quand même. Il n'est pas si petit que ça. En vrai, il n'est pas si petit que ça. Hein. Je le voyais plus petit. Donc là, ah ouais, en vrai, là, je suis pas trop trop mal. La clôture, elle est comment? Là, on est pas mal. Faut que je me suis. Ouais, si là, en vrai, je veux juste laisser un petit peu. Là, tac. Peut-être pourquoi pas mettre un petit bâtiment devant, là, en vrai. Parce que là, le champ est quand même assez grand. Donc là, c'est pas trop mal. Par contre, je voulais juste baisser. Attendez voir. Ouais, vous savez que moi, ça met toujours. Bah, je suis aligné, ça, c'est sûr. Donc ça c'est good. Par contre ce que je voulais faire c'était juste. Je crois qu'il faut que je baisse avec le contrôle E ou A. Voilà, baisser pas au maximum, mais. Attendez voir. Voilà. Alors j'y étais bien arrivé. Oh là là là. On va essayer de faire ça bien. Là en vrai, je pense que c'est pas mal. Là en vrai, les gars, je suis pas si mal que ça. Allez, let's go, c'est placé. Il y a quand même une petite butte, mais ça va. Parce que regardez, là c'est à peu près plat. Donc là, ça va. Ouais, non, ça va. J'ai fait pire. J'ai fait mieux, mais bon, j'adoucirai la pente. Après, je m'en occuperai après. Là, ouais, là, j'avoue, c'est un peu galère. J'avoue, là, c'est pas ouf. Ouh! J'essaierai de reniveler tout ça, les gars. Vous inquiétez pas, je m'en occupe après. Bon, on va pas faire ça en vidéo. Mais par contre, ce qu'on va faire, peut-être, les gars, c'est tester, essayer de faire un petit chemin. Juste un petit chemin, les gars. Comme ça, sans parler de faire le nivelage, je m'en occuperai après, les gars, vous inquiétez pas. Donc on veut peindre, je crois que c'est X, ouais. On va juste choisir, est-ce que c'est la bonne texture? Faut pas que je me trompe. Ah, je me suis... Ah! Pas doucement, Jérémy. Et Néo! Ah, il y a mon petit chien qui est là, bien sûr, le petit Néo. Et là, Néo, il veut pas que je... Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on va juste faire un petit chemin comme ça, qui permet de venir là. Comme ça, ce sera carré. Hop, là ce sera carré comme ça, juste un petit chemin. Voilà, sans parler de faire un truc trop trop large non plus, mais là c'est pas mal. C'est pas mal, bon, on verra pour l'agrémenter. Je veux juste mettre, pourquoi pas. Ouais, ça va être ça. Non, c'était pas ça. Mince, 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 mince. Je me suis trompé. Ah! Ah, je me suis trompé. Là, voilà. Mais faut qu'on fasse ça parce que ça coûte de l'argent, ça malgré tout. Mais par contre, il va nous falloir de toute façon de l'argent pour acheter les moutons, les gars, je vous le dis. Voilà, c'est ça que je vais mettre des petits machins d'herbe. Voilà, on va mettre au milieu. Voilà. Je sais pas si on peut mettre des brins d'herbe. Si on pouvait bien mettre des brins d'herbe, non? Bon, bref. On verra pour agrémenter tout ça. Bon, c'est question de faire une petite entrée propre. Voilà, bah, les gars, je vous montre l'enclos déjà. Sans plus tarder. Voilà, c'est un petit enclos qui coûte vraiment pas cher et qui sera très très bien pour démarrer. 6500 euros, ça suffit largement, bien sûr. On peut ouvrir les portes. La laine devrait se mettre. Donc là, ici, c'est pour les acheter. La laine devrait. Ah ouais, la laine devrait arriver ici, il me semble, si je dis pas de conneries. L'eau. Et. Ou non, la laine se met ici. L'eau. Ou alors, non, c'est l'alimentation ici, pardon. Oui, c'est l'alimentation, je pense, l'herbe ici. Et après, l'eau et les palettes devraient se mettre ici, les gars. Bon, on a 15 000 euros. En vrai, les gars, combien ça coûte un mouton? Par contre, est-ce qu'on a. On va essayer de pousser Rally, mais est-ce qu'on a. Oui, il y a un négociant en bétail. Négocier en bétail, donc l'idéal, les gars, ce serait d'aller chercher nos animaux.
On va louer la bétaillère Roland. On va louer la bétaillère Roland, les gars. Let's go. On la loue par contre 15 000 euros. Bon, on verra après. On sait pas comment faire, les gars. Quand c'est comme ça, on sait pas comment faire. Du coup, transport d'animaux, c'est où? C'est ici. Ma petite bétaillère. Hé, hey, Néo, tu me laisses jouer, s'il te plaît. Mon Néo ne veut pas que je joue. Mais tu me laisses jouer. On la loue, bien sûr. Ok, allez au concessionnaire. Ce qu'on va faire, c'est également réinitialiser. On gagnera du temps. Le petit Sam Titan qui sera également. Ah oui, mais oui, mais de toute façon, faut qu'on y aille. Donc là, après, tac, on descend en bas. Ok, c'est bon, let's go. Let's go, let's go. Ah, la petite bétaillère roulante de mon petit Bruno. Qui fait plaisir. On va pas se le cacher. Elle fait plaisir, la petite bétaillère roulante. Je vais mettre le temps. Non! J'ai mis la musique. Ouais, je me suis trompé de touche. Hop, du coup, on est parti. Alors, par contre, ça, c'est toujours problème de pédale. Enfin, problème. Cette pédale là qui. Allez. Et bah, c'est pas si. Oh, par contre, elle est 2 doigts couchée par terre, la bétaillère là. Mais en vrai, ça va, ça va. Ça va, allez. Voilà. Du coup, on est parti. Et après, je crois qu'il faut qu'on descende à gauche. Ouais. Après, on va charger les moutons. On va faire un petit pré. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse. Ah, mais il n'y a pas de frein. Et freine, toi, Maurice, là-haut. C'est bon, excuse-moi. Allez. Du coup, on va prendre à gauche. Clignotant, je ne l'avais pas mis. C'est pas grave. Hop, on est parti. Donc, on verra. On verra, ouais, le pré, j'en sais rien. En vrai, les gars, je sais pas combien de moutons il faudrait. Il nous faut des moutons pour que ça produise, hein. Ça, c'est clair. Il va pas falloir que 10 moutons. Ça, c'est sûr et certain. Donc, bon, en vrai, je sais pas trop. Bon, les gars, vous roulez à 2 à l'heure là. Puis les voitures qui arrivent en face. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je réfléchis. Je pense qu'il va falloir qu'on ait au moins 20 ou 30 moutons. Je crois que c'est 2000 euros le mouton, non? Je sais plus. Bon, on verra ça après. Ah ouais, 2000 euros. Ah ouais, ça va vite faire très très cher. 20 moutons, je pense que c'est bien pour démarrer 20 moutons. Ouais. Au pire, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. On rachètera s'il faut. Si vous me dites que c'est vraiment pas assez, on rachètera. 20 moutons, en vrai, 20 moutons, c'est déjà pas mal, je pense, pour démarrer. Une petite production de laine. En vrai, ça peut être déjà bien. Bon, on va voir. Mais c'est intéressant à faire, c'est intéressant à faire, mais le prix, là, on a 14 000 euros les gars, le prix il est inévitable, sachant qu'il faut qu'on rachète une cuve à eau, une petite cuve à eau pour justement nous permettre de bah, leur donner à boire. Je pense qu'au début, le deuxième tracteur va attendre encore un tout petit peu les gars, on verra ça peut-être dans une future vidéo. Non c'est après, ouais, désolé je me suis mis à gauche parce que toi tu roulais pas mec, je crois que c'est là. Ouais, ça va être là, donc on va se mettre, je crois qu'on peut la déplier la bétaillère en vrai. Il me semble, hein. Si on fait X, voilà, on peut la déplier. Bien sûr, la bétaillère Roland de Bruno, magnifique. Que vous retrouvez sur mon site internet, le pack Roland, bien sûr, disponible également sur console. Bien évidemment, voilà, et ah voilà, c'est là. Ah non, c'est 1500 euros le mouton. Ah, ça va. Ah, c'est 2000 euros. Oh, c'est les vaches. Qu'est-ce qu'on met comme mouton? On va mettre des moutons blancs à tête noire. Moi, j'aime bien. En vrai, on a combien là? Attends, on va déplacer. Ouais, ça va vite revenir très très cher. Très 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 cher. Ouh. On peut en mettre combien là-dedans? La bétaillère est pleine. Moins 15 000 euros. Oh, on a même pas assez. On a même pas assez. Il nous manque 3 euros les gars pour remplir la bétaillère. Bon, attendez voir ce qu'on va faire. C'est tout de suite un prêt. Un prêt parce qu'on a voilà, emprunté 5 000 euros. Donc en vrai, moi j'ai bien envie d'emprunter plus la cuve à eau achetée. En vrai, il nous faut que ça la QO pour le moment. On verra si on augmente le prêt. Mais il va falloir qu'on. Oh, putain. Je partais sur 50 000 euros. Vous m'aviez conseillé 50 000 euros. 50 000 euros. 15 000 euros. Il y avait combien de moutons? Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. On va partir sur 80 000 euros de prêt. 80 000 euros de prêt, on verra après. Ok, 80 000 euros de prêt. On va voir après ce que ça dit. Donc, je voulais prendre ces petits moutons-là, moi. Non. Toi, tu dégages. Non. Voilà. Mouton noir à tête blanche. Ok, c'est celui-là que je veux. Tac. On est parti. On remplit la bétaillère. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que là, du coup, on n'a pas de frais qui s'appliquent. Parce qu'on a loué la bé. Mais mec! Mais mec, t'as pas validé. Mais tu es bête. Jérémy, oh! Tu te motives. Voilà. Confirmé. Voilà. Là, c'est bon. On referme tout ça. Bougez pas les belots. Nous, par chez nous, c'est des belots. Hein. Moi, j'appelle ça des belots. Allez, bah, par contre, tu mets 3 heures à te replier. Et relève-toi. Voilà. Alors, par contre, on est où là? Ouais, ok. Ok. Donc, on est parti. Est-ce qu'on a une petite bâche? On n'a pas de bâche, en détail.
Au moins, on les voit, on voit s'ils bougent ou non. Et là, c'est plutôt carré. Donc voilà, j'ai même pas regardé de combien de moutons on avait. Apparemment, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 moutons, les gars. Bah, let's go faire deux tours. Hein. Et Néo, tu me laisses jouer. Toi, t'as un petit mouton aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, les gars, que mon chien. Je sais pas si vous voyez là. Mon chien, c'est un vrai mouton aussi. J'aurais pu te mettre dans la bétaillère, Néo. Tu le sais, ça. Et vous voulez me suivre pour la vidéo. Bon, même s'il aimerait bien que je fasse autre chose, que je joue avec lui, mais. Que je joue avec lui, mais non. Non, non. Non, non, nous, on doit faire la vidéo. Donc les gars, ce que je vous... Non, on va livrer la bétaillère et après je vous retrouverai, je ferai un cut pour justement à la livraison de la deuxième bétaillère. Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai des poils du chien qui volent partout. C'est mon petit doudou. Ah mais tu me laisses jouer et j'ai besoin de prendre le joystick s'il te plaît. Voilà, il est infernal. Allez, allez, mais Néo. Néo n'a pas envie que je joue. Il voudrait tout le temps des caresses, des caresses, des caresses. Avec qui on pourrait faire que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tellement mignon. Que voulez-vous? Ah ben, par contre, tu me laisses là quand même, là, parce que t'es un peu saoulant. Allez, clignotant. Allez! C'est injouable. C'est injouable. Est-ce que, pourquoi c'est que t'aimes pas l'enclos, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Néo? Explique-moi. Explique à papa. Bah, viens de l'autre côté. Oui, t'as raison. Oui, bah, ça changera pas de problème. Hein. Ça ne changera point le problème. What? Mais what? What? Ah ouais, alors là, clairement, elle est buggée, là, les gars. Ah non, c'est bon. Ouh, c'est bon. Ah ouais, non, mais elle avait carrément... là, c'était la galère. Là, on va faire réaliste. À peu près réaliste. Là comme ça, en fait, on est pas mal. Là c'est propre. Allez, décharger. Dans l'enclos, les petits velos. Mais la remorque à bétail est... pleine, bah non, mais c'est bon. Confirmé. Et les petits belots, ils sont là, les gars, les petits belots. Ils sont ici, ils sont ici. Par contre, on va juste fermer l'enclos quand même. Ils sont là, c'est cool. Bon, ce qu'on peut déjà peut-être faire, c'est emmener une botte d'herbe. Et après, les gars, je vous ferai une coupure. On reviendra avec la deuxième bétaillère. Ah, mais j'adore. En vrai, le petit enclos, il va super bien, je crois. Alors, est-ce que c'est ici? Mais oui, c'est ici. Mais oui, que c'est ici, mais bien sûr. Bien sûr, 4000, on est pas mal. Donc là, il va falloir encore une deuxième botte. On va en prendre encore 10. Et on sera carré, les gars. Bon, les gars, je fais une petite coupure. Je reviens avec une deuxième bétaillère pour nous faire 20 moutons. Je pense que ce sera pas mal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si c'est assez ou non, les gars. Et du coup, là, une petite coupure. On se retrouve juste, tout de suite après, pardon. Ok, les gars, je reprends ici. Deuxième tour avec la bétaillère. Les moutons sont derrière. Regardez, ils sont là. Ils bougent pas. Du coup, j'arrive à l'enclos pour décharger tout ça. Et après, on s'occupe de la cuve à eau. On va regarder un petit peu ce qui peut être pas trop mal niveau cuve à eau. Et pas trop, trop cher, surtout. Parce que c'est le principal aussi, c'est de faire un maximum d'économies malgré tout, parce que voilà. Puis juste pour leur mettre de l'eau. Alors je crois qu'il y a un petit étang à la ferme, donc du coup on fera pas trop de route ou quoi. Puis je crois que l'eau est gratuite. Hein. Donc ça c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Et bah du coup voilà quoi. Ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, on va déplier tout ça. On recule Maurice. On recule. On va. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir également l'enclos. Voilà. Bon, en vrai, là, je devrais pas être trop, trop mal. On va essayer de faire ça bien. Attends, on va voir. Là, tac. Et là, je devrais pas être trop, trop mal. Voilà. On décharge tout ça. Let's go. Non, c'est cela. C'est cela, c'est cela. Et du coup, ça nous fera bah, 20 moutons, les gars. C'est cool. 20 moutons, les amis. Ça, c'est bien. Attends, on va voir. La roll van. Hop, on va attendre un petit peu. On va juste fermer l'enclos. Donc, on a 20 moutons ici. Ça c'est bien et bah, la laine devrait se spawner ici. L'eau, va falloir qu'on s'occupe de ça. Je pense qu'on peut mettre une deuxième botte d'herbe. Donc on va s'en occuper. Donc le petit stock d'herbe en vrai, bon on a des bâtiments de l'autre côté, mais ça aurait été bien de mettre un petit hangar ici. Je verrai ce que, si vous avez des liens d'un petit bâtiment par exemple qu'on pourrait mettre genre ici pour stocker l'herbe. Vous voyez le fourrage ici pour éviter de faire trop de route ou quoi. En vrai ça peut être pas mal. Si vous avez des petits liens de bâtiments, un petit bâtiment, ou de l'autre côté là-bas, un petit bâtiment, si vous voyez un petit bâtiment sympa à mettre ici, ça peut être stylé. Donc, la BTR, je vais la dételer ici pour le moment, on verra ça après. Et on va juste acheter pardon, la cuve à eau, catégorie animaux, je crois. Ah, il y a la petite agrimate qui fait 4000, il y a la josquin. En vrai, la josquin, elle gagne une valeur sûre parce qu'elle prend le lait. Alors, attendez voir. Elle est où? Elle est où, elle est où? Je crois que c'est celle-ci. Elle prend le lait aussi. Donc celle-là, c'est vraiment une valeur sûre en vrai. J'ai bien envie de partir là-dessus. Elle prend quand même 8000 litres. C'est quand même bien. On peut le vendre comme ça. Ouais, c'est pas ouf.
Bon, je préfère comme ça. Drinker, house connection. Ouais, c'est plutôt comme ça. Avec les pneus Nokian, couleur du motif, c'est quoi ça? Ah, c'est pour mettre. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah, d'accord. Ou tout en noir. Ouais, tout en noir, comme ça, c'est pas mal. Ouais, bah écoutez, 13 000 euros. Mais c'est quoi qui coûte si cher? Oh, mais c'est la couleur. Mais non, mais c'est pas possible. Bah. Ah, ouais. Bon, on va laisser comme ça, les gars. Bah, 9 500 euros. 4 000 euros la peinture, mec. T'es mignon, mais voilà quoi. Non, allez, on achète ça, c'est bien. C'est bien, ça ira très très bien. Ce qu'on va faire, c'est juste pour le coup réinitialiser le petit Sam bah, au concessionnaire également. Et on s'y joue, j'ai vu le C15. On s'est toujours pas servi du C15, les gars, pour le moment. Pour le moment, bah, c'est pas évident de s'en servir, vous allez me dire. Pour le moment. Ah ouais, mais en vrai, ah oui, la couleur est beaucoup mieux comme ça dans le jeu. Mais c'est vrai que je la trouvais vachement foncée, la couleur, la cube. Et là, en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va aller chercher de l'eau maintenant. On va passer par ici. Hop. Gyrophare. Voilà, cette cuve-là, elle ira très très bien. Allez, 8 000 litres, c'est pas petit, pas trop gros, pas trop cher. Ça prend le lait quand on aura des vaches, ça pourra nous servir. Hop, allez, le stop, merci. Faut faire les stops, les gars, dans la vie. Attention, faites les stops. Faites pas comme moi. Bon, dans la vie, je l'ai fait, hein. Attention, dans la vraie vie. Hein. Dans le jeu, j'avoue. On va toujours aller vite dans le jeu, c'est toujours pareil, j'ai toujours le... Voilà, en vidéo, faut essayer de montrer un maximum de choses, tout ça, donc j'ai toujours... Toujours un petit peu plus vite que... Voilà. Que ce qu'il faudrait, souvent. Après, c'est pas pour faire une vidéo non plus de 30 minutes, quoi, c'est ça. Donc on essaie de se dépêcher. Alors, attendez voir. Il me semble que... Et Néo qui est toujours là à m'embêter. Hein, Néo qui est toujours là. Et il me semble que... Voilà, la petite... Le petit étang, il est par ici, les gars. Regardez l'avoine qui est toujours là dans la benne, hein, il attend. Il attend, Marc, il attend. Ah! Ah oui, alors là, faut faire la manœuvre. Je ne voyais pas, je pensais pas que c'est. En plus, il y a une petite pompe et tout, la déco, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Oui, Minéo, tu attends. Faut que je finisse la vidéo avant pour les abonnés. Tu le sais, ça. Hop, et là, normalement, on peut. Ouais, c'est gratuit, c'est bon. C'est good. Bon, on va la remplir à fond parce que, de toute façon, on n'a pas de lait pour le moment. Donc, même si on prend pas tout, voilà. Même si les moutons n'ont pas besoin de tout. Mais vous allez voir. Non. Ça va bien se passer. Ça va très... Ah, mais non, ah, mais oui, mais si j'enlève ça. Maintenant, ça va se remplir, j'ai rien mis. Et en vrai, je suis trop content des moutons. Bon, l'enclos, j'avoue que je l'ai mieux placé. Quand je me suis entraîné à le placer, ça allait beaucoup mieux que ça. Toujours en vidéo, de toute façon, ça peut pas aller comme je veux. Mais je renivellerai ça. Renivellerai ça, quoi. Tranquillement. Sans hors vidéo. Parce qu'en vidéo, c'est toujours un peu galère. Tranquillement de mon côté, ce sera propre. Et je pense qu'on attaquera les lives très vite aussi sur la série. Donc en remplacement des lives, peut-être j'ai bien envie de faire ça en fait sur la chaîne secondaire. Je vous le dis. Ces lives-là, j'ai bien envie de les faire sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne de Gvite, n'hésitez pas à aller vous abonner en remplacement de The Valley The New Farm. Donc je sais pas trop. Je me tâte. Je me tâte encore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au pire. Et puis voilà. Allez, un peu d'eau pour les moutons, les petits belots. Et l'enclos, il est top. L'enclos, bon, il dénote peut-être un petit peu avec le reste des bâtiments, mais. Peut-être qu'il y en a qui auraient vu peut-être un bâtiment un peu plus gros, un peu plus. Voilà, mais. Les gars, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et là, ça ira très bien pour nous, au moins pour commencer, nous faire un peu d'argent. Parce que j'ai dans le projet après de mettre des poulaillers, des gros poulaillers industriels et tout. Là, je vous le dis. Mais bon, il nous faut de l'argent pour ça. Il faut beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup d'argent. Voilà. Alors, les moutons, ça en est où? Ouais, bon, l'eau, en vrai, l'eau, ça va. Hein. Bah, 4 000, là-bas, 50%. Impeccable, bah écoutez, il y a tout ce qu'il faut pour que ça produise un max. Donc les palettes d'un devraient se mettre à côté. Allez, tourne, voilà, je vais juste redéter la cuve là. Puis du coup, on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. Les gars, les moutons sont ici, c'est le principal. Les moutons, non, faut mettre la cuve là, j'ai mis. Allez, allez, Néo, mais laisse-moi faire. Oh là là, mais qu'il est chiant, ce chien. Ah, tu es chiant. Il me regarde avec un air genre, mais ouh, tu me saoules. Bon, les gars, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ce nouvel enclos, bien sûr, vous aura plu, c'est le cas. Un max de pouces bleus, bien sûr, comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour tous les retours dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, aussi la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.